Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je tenais à te partager un sujet qui m'est très très proche, que j'ai vraiment vécu au plus profond de mes cellules et qui a été un peu le leitmotiv, le fil rouge de ma vie pendant de très nombreuses années, jusqu'à avant que je n'entame ce cheminement vers moi, ce retour à moi à travers le corps. Et c'est pas pour rien que c'est le corps qui m'est venu comme messager, comme guide, et tu vas comprendre pourquoi dans cet épisode. Donc le sujet du jour, c'est la négligence de soi. C'est vraiment quelque chose qui m'a hantée, entre guillemets, qui m'a poursuivie pendant longtemps, que j'ai pratiqué pendant très longtemps, jusqu'à vraiment aller au bout du bout, jusqu'à ce fameux épuisement en 2016 avec hospitalisation et tutti quanti. Donc c'était profondément engrammé dans mon fonctionnement de me négliger au point de vraiment aller jusqu'à l'autodestruction et à me prendre le mur en pleine face. Ça, c'est un cas extrême et je ne le souhaite absolument à personne. Par contre, un cas hyper, hyper commun, c'est, je l'entends très, très souvent, que des personnes me disent ne pas savoir prendre soin d'elles-mêmes, ne pas avoir le temps de prendre soin d'elles-mêmes, carrément se mettre en deuxième, troisième, dixième rang sur la liste, faire passer les besoins des autres avant les leurs, se négliger et sauter des repas, ne pas faire ce qui leur fait plaisir, dire non à des invitations qui leur feraient du bien, rester coincé dans des boulots qui ne les épanouissent pas, et j'en passe. Donc je trouve que c'est hyper courant aujourd'hui et socialement totalement accepté de se négliger, de ne pas prendre soin de soi, de ne pas s'écouter et de faire passer tout le monde avant soi-même. C'est même, surtout peut-être dans un contexte familial par rapport aux enfants et dans un contexte de travail, quand on a des collègues, quand on travaille dans une équipe, c'est même, je dirais, un badge d'honneur que de se mettre de côté et de s'oublier un petit peu pour les autres. Et tu sais quoi? C'est pas normal. Moi, je trouve ça pas normal de se mettre de côté pour plaire, pour répondre aux attentes des autres, pour répondre à des attentes souvent irréalistes, alors que on trouverait pas ça normal, par exemple, de dire à nos amis ouvertement qu'on a oublié de nourrir nos enfants, qu'on ne les a pas conduits à leurs activités pour qu'ils se dépensent, pour qu'ils bougent, pour qu'ils se fassent du bien, pour qu'ils aillent prendre l'air, qu'on n'a pas veillé à ce qu'ils aient suffisamment de sommeil, etc. Mais quand il s'agit de nous-mêmes, c'est limite normal de hausser les épaules et de dire oui, mais moi je suis vraiment nulle pour prendre soin de moi, mais c'est pas grave. Donc la négligence de soi, c'est quoi? En fait, c'est donc le fait de négliger nos propres besoins, tant physiques qu'émotionnels. Ça peut se manifester de différentes formes. Par exemple, le fait de donc s'oublier, le fait de se surcharger, de se surmener, de trop trop prendre sur soi, de trop travailler, et aussi le fait de ne pas aller chercher de l'aide quand c'est pourtant nécessaire. Se négliger, ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas se gréer une journée de spa, de ne pas aller se faire coiffer, se faire les ongles, se faire chouchouter. Quand on s'auto-néglige, il s'agit en fait de négliger nos propres besoins, de ne pas respecter nos propres désirs et de ne pas suivre nos ambitions personnelles. Donc ça va bien plus loin que ça et c'est lié à des croyances profondément engrammées qui viennent notamment de schémas d'enfance. Donc dans cet épisode, je te partage très concrètement quelques causes probables de cette négligence envers soi-même en lien avec un bout de mon histoire personnelle, quelques exemples concrets de manière dont tu te négliges peut-être sans même t'en rendre compte, et cinq conseils très concrets pour transformer cette négligence de soi en amour de soi. Si tu es prêt, c'est parti. Alors, si tu te négliges aujourd'hui, c'est très
probablement parce que tu t'es senti négligé dans ton enfance. Et je dis bien senti, peut-être qu'il y a eu réellement négligence, mais elle peut être aussi simplement perçue. Dans mon cas, par exemple, je sais aujourd'hui, je comprends aujourd'hui que le fait que j'ai été élevée par une nounou, je l'ai perçue comme une forme de négligence émotionnelle de la part de mes parents. Il y avait un besoin que j'avais en tant qu'enfant qui n'était pas comblé par les personnes à qui se dirigeait ce besoin, c'est-à-dire mes parents. Ça a été quelqu'un d'autre qui a essayé, tant bien que mal, de combler ce besoin. Et même si cette nounou, je l'adorais, ça a été comme une troisième grand-mère pour moi, vraiment un membre de ma famille, quelqu'un d'extrêmement précieux et que j'aimais par-dessus tout, qui m'a élevée réellement. Il n'y a rien à faire, les parents restent les parents et un enfant a certaines attentes, certains besoins en lien avec ces figures-là. Et donc mes besoins émotionnels n'ont pas été comblés, surtout que j'étais une enfant vraiment hypersensible. Vraiment, extrêmement angoissée, avec beaucoup, beaucoup de peur dès la petite enfance. Et ces peurs, ces angoisses étaient fortement liées à tout ce qui est relationnel, justement. À la peur d'être abandonnée, à la peur des disputes entre copains, à la peur des choses qui se passaient dans la cour de récré, à la peur d'être mise de côté, etc. Et donc, j'ai beau avoir reçu tout sur le plan matériel, la meilleure éducation, les meilleures études, plein d'activités extrascolaires, une nounou qui me conduisait, qui me ramenait à la maison, tout ce dont j'avais besoin sur le plan matériel. Il n'en est pas moins que je n'ai pas reçu quelque part ce manuel d'instruction de la part de mes parents sur comment prendre soin de moi, comment écouter mes besoins, comment me soutenir en fait et comment vraiment m'occuper de moi-même. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas parce que tu n'as pas reçu quelque chose de la part de tes parents ou dans ton enfance que tu ne peux pas apprendre aujourd'hui. C'est certes difficile, mais c'est tout à fait possible que tu ne peux pas apprendre à le développer et à te le donner à toi-même. Et je pense que c'est le plus beau chemin, le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, et peut-être même la raison pour laquelle nous sommes ici-bas, c'est de venir combler ses manques, c'est de venir guérir ses blessures, et c'est de venir apprendre à se donner cet amour qu'on n'a peut-être pas reçu, afin qu'on puisse se le donner nous-mêmes. Et je pense que beaucoup de coachs, de thérapeutes, d'accompagnants dans le milieu humain, dans le milieu du bien-être, sont des personnes qui ont vécu des choses peut-être parfois difficiles, qui ont surmonté des challenges, qui ont vécu des déclics, qui se sont guéris et qui du coup par après sont en capacité de transmettre ça de manière pleinement incarnée. Parce que c'est du vécu réel, concret, dans leur corps, dans leurs cellules, dans leur DNA. Et c'est ce type de transmission-là qui est selon moi la plus puissante et qui va bien au-delà de la théorie. Alors voici quelques exemples concrets de manière dont tu pourrais te négliger aujourd'hui. Ne pas trouver ou prendre le temps de passer une nuit complète correcte de sommeil. Garder tes pensées, tes opinions, tes émotions pour toi. Manger sans réfléchir, manger des aliments malsains que tu sais qu'ils ne sont pas bien pour toi à la va-vite, ou encore sauter des repas alors que tu as faim. Ne pas bouger ton corps, donc manquer de mouvement, manquer d'exercice, manquer d'air frais. Avoir un emploi du temps hyper chargé, que tu te charges toi-même. Pour cette raison-là de négligence, en fait, c'est une forme de fuite aussi, et du coup, manquer du temps pour toi. Le fait que le concept de plaisir et de jeu soit effectivement un concept, donc te sont étrangers, ce ne sont pas des choses que tu vis de manière régulière, ou peut-être tu ne les vis pas du tout. Ne pas mettre en place certains gestes, aussi simples soient-ils et aussi rapides soient-ils, certains rituels quotidiens, alors que tu sais, parce que tu les as déjà expérimentés, qu'ils te font du bien et qu'ils te nourrissent. Te contenter et rester coincé sur place, dans une carrière, dans un boulot qui te semble chiant, qui ne t'épanouit pas et qui fait que tu stagnes. Dire non,
refuser des activités, des propositions qui te sont agréables. Et tenir compte, last but not least, des besoins des autres, toujours avant les tiens. Et je te rassure, on se néglige tous dans l'un ou l'autre domaine de notre vie. Le tout, c'est de ne que ça ne touche pas trop de domaines simultanément ou qu'on ne se néglige pas de façon trop extrême, jusqu'à l'épuisement, par exemple, comme moi je l'ai vécu. Donc encore une fois, je t'invite vraiment à être honnête avec toi-même et à imaginer que tu traites ton conjoint, ton enfant, ton meilleur ami, ta meilleure amie, même ton animal de compagnie, comme tu te traites toi-même. À quoi ça ressemblerait? Et donc la question, c'est pourquoi est-ce que tu te priverais toi de choses dont tu n'oserais pas priver les autres? Ce sont des questions très intéressantes à te poser et tu peux avoir plein de réponses diverses qui te viennent. Et peut-être que tu penses même, consciemment ou inconsciemment, que tu mérites de te traiter de la sorte, que tu mérites de te punir, que tu mérites de saboter ton propre bonheur parce que tu ne vaux pas plus. Il faut savoir que les personnes qui ont vécu cette négligence émotionnelle en tant qu'enfant manque souvent d'un manque d'estime de soi en tant qu'adulte. Et donc je t'invite vraiment encore une fois à voir comment tu te traiterais, qu'est-ce que tu ferais si tu commençais à te traiter de la même manière que tu traites les autres. Sur ce, voici 5 conseils concrets de comment transformer cette négligence de toi en amour de toi. Numéro 1. Je t'invite à venir réfléchir au domaine de ta vie où tu te négliges. Donc sur la base des exemples que je t'ai cités, ou peut-être que tu vois tout de suite d'autres choses émerger pour toi, pour ta vie, dans lesquels domaines est-ce que tu te négliges? Est-ce que tu t'oublies? Est-ce que tu mets de côté tes besoins, tes désirs et tes ambitions? Est-ce que c'est l'emploi du temps que tu surcharges? Est-ce que c'est le manque de temps que tu prends pour des activités qui te font du bien? Est-ce que c'est le manque de sommeil, le manque de bonne nourriture, le manque d'exercice, etc. Step numéro 2, c'est de venir noter tous les exemples concrets de négligence, justement. Et je t'invite vraiment à les noter à la main, sur un papier, et aller voir émerger sur ce papier, ça a quelque chose de très puissant. Surtout quand on a tendance à négliger ce qui nous fait du bien, puisqu'on parle justement de négligence de soi. Donc ne prends pas cet exercice à la légère, ne prends pas ce point à la légère. Je t'invite vraiment à ne pas te négliger en ce moment même, et à venir faire cet exercice et à déposer ça noir sur blanc. Il n'y a pas besoin d'être dur avec toi-même, ok? Je t'invite vraiment simplement à venir noter ces façons dont tu te négliges, à en prendre conscience et à les utiliser comme un guide pour t'améliorer, un guide pour cheminer. Et à venir aussi les lire, les consulter, en prendre de nouveau conscience, connaissance régulièrement. Conseil numéro 3, c'est de commencer par un point spécifique de cette liste. De ne pas t'attaquer à tous les points en même temps, parce que sinon tu vas te sentir surchargé. Ça va être très compliqué, parce que quand on est dans l'auto-négligence, le mieux c'est vraiment de progresser step by step. Autrement, on va repartir de zéro et tout laisser tomber nos efforts. Donc par exemple, si c'est par rapport à la nourriture, de vraiment uniquement venir travailler sur ce point-là et d'y aller progressivement. Et une fois que ce point sera bien ancré, que ce sera acquis, que tu te sentiras bien avec ça, que tu, par exemple, t'alimenteras mieux ou de manière plus régulière ou que tu auras intégré le fait de manger plus en conscience, seulement alors, je t'invite à reprendre ta liste et à venir développer un autre point. Et donc, step numéro 4, je le disais déjà en partie, c'est décide de te concentrer sur le contraire de ce que tu fais actuellement. Donc, par exemple, par rapport à la nourriture, si tu as tendance à ne pas te nourrir correctement, à manger de manière malsaine, eh bien, mettre en place d'autres types de rituels. Aller faire tes courses dans d'autres types de magasins, acheter des aliments plus sains, de la nourriture vivante. Peut-être commencer par juste tweaker, réajuster ton petit déjeuner avec 2-3 idées de recettes et puis passer à d'autres repas, etc., etc. Vraiment y aller progressivement. Et évidemment, tu n'y arriveras pas
du premier coup, tu retomberas dans tes vieux schémas, tes vieux démons reviendront à la surface. Et là, je t'invite surtout à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur et d'amour envers toi-même parce que ça va arriver. Ça m'arrive encore et toujours aujourd'hui et on reste tous humains. Et le plus important, c'est simplement d'être en chemin, d'avancer. Et même si tu avances et que parfois tu as l'impression de faire un pas en arrière, c'est OK. Du moment que tu en prennes conscience. Déjà, rien que ça, c'est une victoire. Et quand tu en as conscience, à partir de là, tu peux te reprendre en main et réavancer. Point numéro 5, c'est de venir noter tes progrès. Parce que tes progrès se construisent uniquement sur tes victoires, en célébrant tes victoires. Aussi petites soient-elles, le fait de venir vraiment ancrer tes victoires, les noter, moi j'aime bien faire ça le soir avant de me coucher au lit. Ça permet de te rendre compte du chemin parcouru. Parce que quand on est dans ce cercle vicieux, dans ce schéma de négligence envers soi-même, qu'on a un manque d'estime envers soi-même, qu'on souffre du schéma du syndrome de l'imposteur, etc., eh bien, c'est très difficile aussi pour nous de nous accorder de la valeur, de venir nous faire des compliments, de réaliser quand on a fait des bonnes choses, quand on a bien fait les choses. Donc voilà, peut-être que tu te reconnais dans le fait qu'il est très très difficile pour nous, je m'inclus dedans, donc d'accepter des compliments, de voir ce qu'on a fait de bien. Donc c'est vraiment une étape cruciale, peut-être même la plus importante selon moi, c'est de noter tes victoires, noter tes progrès et de les célébrer aussi petits soient-ils. Voici quelques exemples de comment moi personnellement j'ai cheminé il y a 8 ans après mon épuisement parce que c'est vraiment des choses que j'ai mises en place, des steps, des changements très concrets qui sont nés du fait que petit à petit, j'ai arrêté de me négliger. Ça a commencé avec quoi? Avec la décision de quitter mon job en tant que salarié. Je parlais justement du fait que on se néglige quand on se trouve dans un job qui ne nous satisfait pas, où on se sent stagné, où on se sent mourir à petit feu, ou qui nous ennuie profondément. Et c'était mon cas. Donc j'ai décidé de quitter le salariat pour me lancer à mon propre compte. J'ai repris des activités qui me nourrissaient profondément et que j'avais complètement mises de côté, comme la danse par exemple. Et c'est d'ailleurs là que j'ai connu mon mari. J'ai commencé petit à petit à oser dire non de plus en plus. Parce que dire non aux autres, c'est se dire oui à soi. Et ça, c'est très très difficile quand on se néglige et quand on met toujours les besoins des autres avant les nôtres et quand on est typiquement la personne qui est toujours là pour les autres, mais jamais là pour soi. J'ai commencé à oser exprimer mes émotions. Ça a été très, très difficile. Ça requiert beaucoup de vulnérabilité et je te conseille de commencer à le faire avec une personne dont tu as 100%, 1000% confiance. Donc moi, j'ai commencé d'abord avec mon mari qui m'a vraiment appris ça, qui est également coach aujourd'hui et en qui j'avais totalement confiance. Et puis petit à petit, j'ai commencé à le faire avec mes parents. Ça a été aussi un grand challenge, mais tellement, tellement libérateur. Et puis avec des amis, etc. Et ensuite, last but not least, arrêter de me négliger, ça m'a permis de me reconnecter à mes valeurs profondes que j'avais complètement aussi négligées et mises de côté, littéralement, pour rentrer dans un moule, dans une vie qui ne me correspondait pas du tout, qui n'était pas du tout à mon image, à l'image de qui je suis réellement au plus profond de moi. Ce qui a fait que j'ai quitté la ville pour déménager en campagne. J'ai réalisé plein de rêves d'enfance. J'ai adopté un chien. Et puis, on a créé un refuge avec mon mari. J'ai déménagé au Portugal. Tout ça, petit à petit, au fil du temps, par un effet de compounding, par un effet de ricochet et de cumul comme ça, a fait qu'aujourd'hui, j'ai complètement, complètement transformé ma vie. Et donc, mon intention avec cette vidéo, c'est que tu te rends compte de ça, de la puissance des petites actions qui, une plus une plus une, d'ici quelques semaines, quelques années, peuvent complètement changer, transformer ta vie. Et que si tu es entrepreneur, j'aimerais aussi que tu prennes conscience du fait que si tu as tendance à te négliger, si tu as tendance à te surcharger, tu ne seras jamais capable de dépasser ce plafond de verre et d'atteindre tes objectifs, d'avoir plus de clients, d'être plus épanoui, d'avoir plus de chiffre d'affaires, parce que
ton système est surchargé. Tu es déjà full, tu es déjà saturé et tu te négliges. Donc, il y a un conflit intérieur. Si tu vis dans ce schéma de négligence de soi, de surmenage, c'est un schéma de trop. À l'intérieur de toi, il y a déjà trop dans ta vie. Le verre est plein et tu ne saurais plus rien accueillir. C'est impossible dans cet état-là de survie, en fait, de ton système nerveux, de t'ouvrir à plus, de t'ouvrir à plus de clients, de t'ouvrir à plus de revenus. Tu n'as plus la capacité. Donc voilà, encore une fois, moi je pense que notre mission numéro un, et ce pourquoi nous sommes ici, comme je l'ai déjà dit, c'est de nous auto-guérir et de faire ce chemin vers plus d'amour de soi et être les premiers à nous donner cet amour dont nous avons manqué. Donc mon invitation pour toi avec cette vidéo, j'espère que c'est clair, c'est de commencer à donner cet amour que peut-être encore aujourd'hui tu espères, tu attends de quelqu'un d'autre, de ton partenaire, de tes enfants, d'un épanouissement professionnel. Mais l'amour ne viendra jamais de l'extérieur. Cet amour que tu recherches, cette reconnaissance, cette valeur que tu ne t'accordes pas à toi-même, elle ne viendra pas de ton job, de ton partenaire, de tes enfants. Elle peut seule et uniquement naître de l'intérieur de toi. Et ça, c'est exactement ce qu'on va venir faire dès le 15 octobre dans mon nouvel accompagnement, Le Corps Messager Sacré, à destination des entrepreneurs dans le domaine du bien-être, des accompagnateurs et des coachs qui, justement, souhaitent pouvoir entreprendre autrement. Parce que oui, c'est possible et oui, je l'ai vécu en étant quelqu'un qui me suis épuisée et qui a été au bord de l'épuisement par la suite à plusieurs reprises. Je sais ce que c'est et je sais également ce que c'est que de se relier profondément à notre corps et d'utiliser notre corps, de travailler main dans la main avec notre corps comme notre meilleur guide, notre meilleur allié pour réussir à s'épanouir et à entreprendre autrement. Autrement, comment? Dans le respect, dans l'écoute et dans l'amour de nous-mêmes. Donc, stop à la négligence, parce que ce n'est certainement pas en te négligeant que tu vas t'épanouir et pouvoir décupler ce potentiel qui sommeille à l'intérieur de toi et qui ne demande que d'être révélé. Pour en savoir plus sur cet accompagnement, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. Et si ce n'est déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à liker la vidéo. Ça contribuera au fait que cette vidéo soit plus vue, que ces contenus touchent un plus grand nombre de personnes. Donc je t'en remercie par avance du fond du cœur. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode la semaine prochaine. D'ici là, prends bien soin de toi. Ciao !